Et bien le bonjour les amis, merci à vous de suivre l'aventure Un jour un spot. On se retrouve pour le jour numéro 4, on est donc le jeudi. On est sur une petite session mais un très gros spot. Petit hic, je vois que le bar au-dessus a mis des tables, donc ça limite déjà pas mal les options pour le spot. On va se contenter déjà peut-être de dropper pour s'échauffer, un peu de flat aussi. Et on se fera bien sûr le petit wally drop-in, à voir si on peut faire plus de tricks, mais je vous avoue que j'aurais bien fait une petite line en partant d'en haut au niveau des tables. Ça va être un peu compromis, mais bon, on fera avec ce qu'on a. Et vous avez vu surtout la meilleure nouvelle de cette session, c'est le grand soleil qui fait. Il n'y a plus la pluie aujourd'hui, c'est grosse session ensoleillée, donc on va en profiter au maximum. Je vais aussi vous montrer des tricks qui ont été faits sur ce spot. Evan Smith qui met le wally gap jusqu'en bas. Il y a de plus en plus de monde à la terrasse en haut. Je ne sais pas comment on va tourner la session. On va commencer à faire un petit drop-in ici. Si jamais ils ne veulent pas, après, je négocierai pour faire au moins un ou deux tries et après décoller. Mais à voir, ça se trouve, ils vont rien me dire. Mais voilà, maintenant, vous le savez, si vous venez sur ce spot, attendez-vous à qu'il y ait peut-être des gens en haut. Donc venez plutôt un jour où le bar est fermé, c'est mieux. La replaque du wall. Faut faire un petit peu attention parce que il y a des rainures, faut lever un petit peu à la fin quand même, mais bon, il se prend quand même assez correctement. Ça c'est la partie facile. Ça c'est l'échauffement. Ce que j'aimerais faire, c'est utiliser le petit wall parce que c'est incliné de l'autre côté. Je vais vous montrer tout de suite. Ce que je veux faire, c'est utiliser le wall pour rentrer dans le deuxième point incliné là-bas. Et Van Fils, il a fait le wally jusqu'en bas, c'est complètement barge. Et l'autre trick qui a été fait, que j'ai bien retenu en tout cas, c'est... Ah, il y a Henry Gartland qui a fait du coup le flip depuis le bank jusqu'à dans le deuxième plan incliné là-bas. Le plan incliné, il a été réparé, je vois, parce qu'il y a quelques pièces qui manquaient. Et là, je vois qu'ils ont été remises, donc ça, ça fait plaisir. Ils ont sauvé le spot, c'est charmé. Avant, faut à tout prix que je resserre mes treks. C'est chaud. Bon, le skate est prêt, il n'y aura plus qu'à monter. J'ai dégagé la piste en bas, c'est tout propre. Mais j'ose pas trop y aller avec les gars qui sont à la table en haut. Dès qu'ils partent, je cours one try et voir ce que disent les gens du bar. J'imagine que rien, hein, si c'est pas des méchants. Mais bon, après, c'est vrai que si tout le monde vient ici tous les week-ends, ils doivent en avoir un petit peu marre. C'est ça le skate. Surtout, faut toujours rester bien gentil avec les gens, même s'ils ont pas du même avis que nous. Mais c'est comme ça. Oh, il y a une autre table qui arrive, il va falloir que j'essaye, j'ai pas le choix, je peux pas attendre encore. On est plutôt bien parti. Je remonte, j'en fais juste un dernier drop-in pour me booster un peu les jambes. Ils m'ont tué. À deux doigts, le mec il monte sur le skate et il le descend. Bon, je parle beaucoup, mais il faut faire le wally maintenant. Thank you.
Ok, ça c'était le coup de chauffe, personne n'a rien dit. Faut que ça rentre au deuxième try, j'ai pas envie d'abîmer la planche. Toujours pas de chicot sur le deuxième essai, c'est un signe, c'est qu'il faut que je le rentre tout de suite. Elle m'a donné une dernière chance. Et j'ai pas envie de gêner les gens en haut non plus. Ah wow, c'est dur. J'assume pas là. Promis. Le prochain, on reste sur la planche. C'est le matin, je suis tout seul. J'ai un peu d'appréhension, tu vois, je vais doucement. Promis, celui-ci, je reste sur la planche. J'avais les pieds pires que mal mis, mais bon, j'avais dit que je restais sur la planche. C'est rentré. Je vais juste faire un angle de l'autre côté pour qu'on voit le départ. Mais bon, je pense que pour aujourd'hui, sur ce spot, je vais pas donner plus. Avec des potes, of course, toujours bien, ça motive à fond. Et puis s'il y en a qui tombent, on sait jamais, ça peut arriver. Tout seul, je prends même pas le risque, j'ai pas envie de me faire mal ou quoi. Je fais un deuxième angle là-haut. J'ai les pieds un peu trop en avant. Bon, on va pas abuser des bonnes choses. Le wally drop-in est rentré. Je suis déjà super content. Personne s'est fait mal. Enfin, personne, je suis tout seul, mais bon, je me suis pas fait mal. Je suis bien content. Quand tu viens avec des potes, ok, tu peux déjà te lancer un peu plus. Tout seul, j'avoue que sur des grosses potes comme ça, il se passe quelque chose. T'es un peu. C'est pas facile. Mais bon, bien content. Les meufs du bar, super sympas. Elles ont rien dit. Les gens qui mangent à côté n'ont rien dit non plus. Donc, très cool. Vous le savez que si vous venez ici, je pense que si vous êtes assez calme, si vous faites pas trop de bruit, nanana, si vous respectez, il ne devrait pas y avoir de problème. J'espère que cette quatrième journée de 1 jour 1 spot vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez continuer l'aventure, je vous donne rendez-vous dès demain à 18h pour un nouveau spot.